Le hadith Inna Allah Jamilun Yuhibbul Jamal, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Que ce soit en arabe et pire encore quand ils le traduisent soi-disant en français. Inna Allah Jamilun, c'est-à-dire certes Dieu est Jamil. C'est-à-dire quoi Dieu est Jamil, Allah est Jamil? Ça veut dire que Dieu est parfait. Que Dieu il n'a aucun défaut. Jamil concernant Allah Ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il est beau. Parce que Dieu c'est pas un corps, il n'est pas une apparence ou une physionomie. Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Ça veut dire que Dieu il est Mohsin, que Dieu il crée le bien. Donc Dieu il est Mohsin, donc on dit qu'il est Jamil dans le sens qu'il est Mohsin. Ça veut dire certes Dieu, il est parfait, il n'a aucun défaut, et il agrée que la personne, elle est en bon état. D'accord? Ça c'est notre explication aussi. Soit c'est Dieu, il crée le bien et il agrée qu'on fasse le bien, ou soit Dieu il est parfait, il n'a aucun défaut, et il aime que la personne, elle soit dans un état complet, deux fois.